On voit les gens tranquillement pas vite arriver au parc portuaire. Alors, je vous souhaite la bienvenue naturellement ici à Trois-Rivières. Pour ceux pour qui c'est la première occasion de vous présenter ici au parc portuaire, bien prenez. Quatrième. Les commandes de cette épreuve de Marc Floyd, le numéro 7 et deuxième, Cadieux, le 101, toujours prêt. David Trépanier maintenant quatrième, alors le 19 est à surveiller, c'est lui qui doit. On va voir, oui c'est parti! C'est accepté. Voilà. Voilà, on bouchonne pendant que tout le monde va passer. Et là, la quantité de numéro 22, Sylvain Clair, va vraiment payer le puits. Denis Lachance, qui était troisième, là, va se retrouver vraiment en forme. Alors, des voitures qui se sont emboîtées les unes dans les autres ici, dans la chicane. Le numéro 8 reprend le départ, le numéro 24. Et là, il y a le numéro 22 qui... Tout le monde repasse, ça c'est Sylvain Clair. Et lui, il était quatrième, alors eux ont vraiment payé le prix. Et ça, ça sera extrêmement difficile là, de remonter dans les voitures. Mais ça devrait donner un bon spectacle pendant qu'on voit venir les voitures en première place. Alors, regarde, numéro 67, Michel Mélisan, qui lui a passé très proprement. Le 2,35, Paul Walker, qui est toujours deuxième, alors conserver sa position lui aussi. Alors, vous avez pu remarquer que le travail des signaleurs aussi n'est pas de tout repos. Il faut travailler fort pour remettre les balles de poing au bon endroit. Alors, voyons au prochain passage parce que là, c'était vraiment beaucoup d'action. On va essayer de vous redonner les positionnements de chacun des pilotes. Au prochain passage, alors, vraiment, c'est bien clair. En fait, le prix, je vous assure. Alors, le vedeur présentement est le numéro 235, Paul Walker, suivi du numéro 87, Mario Martin. On semble avoir un problème avec un certain transpondant parce qu'on n'a pas de chaîne du 67 Michel Mélisan. Lui qui était premier, alors on va vérifier ça ici avec Alain. On va attendre de voir est-ce qu'on... Mais là, est-ce que ça va passer serré? Et là, on est agressif ici. Oh, c'est serré, mais ça a passé très proprement. Bon, enfin, voilà un départ très propre là. Et là, on se dépêche à replacer. Alors, vraiment, un accrochage majeur dans la chicane. Tout le monde semble être... Alors là, on va attendre. Il y a un rouge qui est déployé. Je pense alors, qu'on arrête l'épreuve. Oui, effectivement. On met fin à l'épreuve pour l'instant à cause du carambolage ici dans la deuxième chicane. Alors là, on indique aux compétiteurs que la séance, la session est arrêtée. Alors, on va arrêter la course. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, Martin? Alors, on va reprendre le départ. On va replacer tout le monde. Il va falloir discuter ici avec le chronométreur là, et les gens officiels parce que je me demande si on avait déjà un tour de fait. Alors, on va voir la décision qu'ils vont nous donner dans quelques instants. Je pense que oui, on avait un tour de fait. Et on m'indique, Jacques, que ce n'est pas dû au carambolage qu'on a ici dans la chicane, mais plutôt un autre endroit sur le circuit qu'on a... Et voilà, c'est fait! Et là, on va passer la première chicane. C'est très fort, et troisième. Très beau lancer, encore une fois, de cette épreuve. Sans anicroche. Alors, et c'est parti! Oh! Trépanier s'envole, le premier départ de l'épreuve! Alors, quel départ canon de Denis Trépanier! Vraiment! Philippe Gélinas a regardé à sa gauche, mais était trop tard. Le Trépanier t'a déjà passé. Il a... Alors, voyons voir là, le prochain passage si Trépanier a réussi à... le départ a conservé son avance. On surveille ça attentivement. On les voit arriver. Canon. Première chicane. On traverse bien. Alors effectivement, Trépanier qui domine et tout de suite en arrière, ben c'est Gélinas qui est deuxième suivi en troisième place au numéro 101, Tom Cagieux. Oh, que ça chauffe en première place. Philippe Gélinas, très agressif. Alors, il y a une des voitures, celle qui a pris le départ à la dernière place, qui est peut-être un peu moins puissante. Il est toujours au commande. Philippe Gélinas qui s'accroche. Oui. Troisième place, inchangé, c'est le 101, Tom Cagieux. Quatrième place, le septième, le numéro 7, Marc Floyd. François Bellemare a gagné une place en huitième position présentement. Non, alors François Bellemare, malheureusement, n'est pas... Non, François Bellemare a eu des problèmes, probablement. On a dû faire des réparations sur la voiture ce matin. Et toujours préparé, Gélinas, Cagieux. Troisième.
Et là, on a un deuxième peloton qui s'est développé avec le numéro 22 en tête, Michel Lacombe, là, qui a développé ce deuxième peloton en cinquième position. François Bellemare qui vient de gagner une position devant nous. Oui, c'est maintenant qu'à c'est parti! Oh, oh, Antoine Génaud! Oh, ça passe proprement, pas de problème. Tout le monde s'en tire assez bien, quoique quelques petites touchettes, mais ouais, aucun dommage. Alors, ah, ben, bravo. Toto, ben, ça, bravo. Vraiment, bravo. C'est tout un départ là, qui bravo. Nous a... Et voilà, c'est vous acceptez, oui. Attention dans la première chicane, c'est extrêmement serré, on se monte dessus. Oh, on réussit à passer quand même, alors on s'est littéralement mature, sont bien placés. Attention, est-ce qu'on va donner... Non, on refuse. Non, les voitures sont pas bien placées, malheureusement, on n'a pas gardé cette position. Effectivement. Un tour supplémentaire, et là on argumente, les pilotes se regardent, puis argumentent, écoute, c'est pas à ta place, puis avance, puis recule, puis hein? Exact, alors... Oui, c'est parti! Oh, ça va brasser, messieurs! Attention aussi dans la chicane, alors on était à 2, 3 de large. Et là, il y a le numéro 71 qui a des problèmes. Oh, là, là, il y en a qui vont payer le prix encore une fois là, dans cette épreuve. Ah. On a été ralenti complètement, le numéro 38 là, qui est complètement hors d'usage. Non, on réussit à repartir le bolide. Le numéro 38 de Jean Guiroy. Mais ouais. sauf qu'on est hypothéqué, bien sûr, pour le départ, c'est malheureux. Oui, c'est difficile. Alors là, on va observer ça attentivement. On se présente encore une fois. On passe après Chicane. Et ça se bouscule un peu. Alors, pendant que le commissaire sont là. Paul Walker, le 2.35, qui est au bas de suivi du 87. Mario Martin. Et en troisième place, c'est Sébastien Lafitte. Troisième au niveau du championnat, troisième au niveau de la calife. Alors, un papa très heureux. Il est pas de bonheur, parce qu'il y a trois, hein. Pierre-François, ça fait tellement longtemps que Pierre me suit, que le père suit le fils, il performe de plus en plus. Alors ça, c'est une simple et bonne nouvelle. Pierre-François, bon, on va vous en parler un peu plus tard. Vous allez voir, on va le suivre attentivement lors des pré-finales et des finales de cet après-midi. Alors, il reste une catégorie, Martin, qui est, je pense... Il reste une catégorie. Laquelle?